Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Géométrie Dash pour le niveau 3 Polargeist en compagnie de Legba, mais qui dort, alors il faut pas trop le réveiller non plus. Alors c'est parti, alors ça faut sauter une fois dessus. Oh, sympa la musique là encore. J'aime bien. Alors là il me semble de souvenir que les étoiles sont un peu plus délicates à récupérer, il me semble. C'est peut-être un faux souvenir, mais il me semble qu'elles sont cachées. Là, fallait pas sauter. Là, fallait sauter un petit peu plus tard. Attendez. Ouais, je crois que c'est dans ce niveau, il y en a une qui est planquée. De toute façon, on verra bien. On n'est pas pressé, ni rien du tout. Donc, on va faire ça tranquillement. Et nous sommes un petit flocon de neige. Donc, on va essayer de regarder le décor plutôt que de s'admirer nous-mêmes. Ça pourrait nous éviter des mauvaises surprises, je pense. Donc voilà. Hop. Là, je crois qu'il y en a une qui est planquée en l'air. On va rester un petit peu en haut. Hein. Vous m'en voudrez pas, je crois qu'elle est planquée en haut. Ouais, elle est planquée en haut, ouais. C'est ça. Donc on en a une, mais je crois pas que ce soit la première. Je crois que c'est la deuxième. On verra bien. Déjà, on a celle-là, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, on va essayer de fouiller ensemble, voir si on trouve... Ok, alors celle-là, elle est tout en bas. Je sais plus comment on la récupère. Hop. Là, il n'y en a pas. On va fouiller, voir s'il n'y a pas la troisième. Ah, elle est là, ouais, d'accord. Ok, ouais, c'est bon. Ok, donc il n'y en a pas avant celle qu'on a récupérée. Les deux sont après. Et on va avoir du mal à les récupérer. Parce qu'il faut bien se rappeler où elles sont. Et c'est pas... C'est pas non plus inné pour celle-ci, hein, mais elles sont... Effectivement, il y en a une qui est un petit peu planquée. Donc c'est bon, on sait où elles sont. On est reparti. Hop là. Il y en a que 3, hein, donc j'ai repéré les 3. On va essayer de les prendre. Je crois que même, d'ailleurs, on va essayer de les prendre toutes là. Plutôt que de revenir après, vu que c'est pas les niveaux, on va galérer le plus hein, pour finir le niveau. Donc on va se concentrer sur les étoiles en fait, finalement, voilà. Je vais changer d'avis. Ce qui ne change rien pour vous au final. Hop là, tranquillement, hop. De toute façon là on sait qu'il n'y a pas d'étoiles avant d'être en avion, et en avion c'est vers la fin. Et c'est en haut, il n'y a pas de difficulté particulière pour rester en haut. Voilà, donc là on sait que c'est vers le haut, hop. Donc on va rester facile à choper en haut. Voilà, c'est bon. On est bien. Voilà. Alors là, ça va être plus compliqué. Alors attention, où est-ce que c'était? Ah, on a débloqué un bleu ciel. Un bleu foncé, pardon. Concentration. Cherchons l'étoile. Alors, attention. Alors là, j'aurais dû sauter là. C'était là pour la récupérer. Bon. On va voir si on se suicide ou pas. C'est pas encore certain que ce soit... On va essayer d'aller voir l'autre. Ok, d'accord, ouais, ok. Bon. Ok, je me souviens que celle-ci avait été assez galère à choper. Elle avait été assez galère à choper quand même. Ok, bon. Je réfléchis. Faut que j'essaie de me souvenir où elle était à peu près. Polargeist et Steam Rolling. Alors, on recommence évidemment. On veut nos étoiles, donc du coup la première on laisse tomber. Donc ça pourrait être marrant d'essayer de récupérer les 3 à chaque fois, mais ça va vite pas être gérable. Donc les 3 en même temps on laisse tomber. C'est bon pour ces niveaux là, mais ceux d'après c'est mort, donc je vais pas commencer à m'empaler dans les murs. J'ai fait quoi là? C'était que je commence à réfléchir. Oui, donc nous allons récupérer les étoiles normalement. Et puis voilà. Mais comme je vous dis, quand on aura du mal à finir les niveaux et qu'on passera une demi-heure à essayer de finir le niveau, ce qui arrivera très certainement au bout d'un moment, et ben dans ce cas les étoiles deviendront en niveau bonus à côté. Voilà. Hop. Comme ça, vous savez comment ça va se passer. Hop. Oh là là, j'ai failli nous tuer en fait là. C'était pas grave, mais j'ai failli. Allez, concentration.
Donc c'est au moment où on saute et que c'est entre pique, entre saut, entre pique, entre saut, entre pique, entre saut. Donc c'est pas là. C'est pas là. C'est là. Donc là. Alors là, j'ai pas compris ce qui arrive à ma vie. Mais c'était bien ça qu'il fallait faire au début. Après, je me suis perdue. Donc voilà. On sait où c'est. On va voir la deuxième du coup. Pour la troisième, je pense qu'on va pas essayer de la choper quand on aura eu la deuxième, mais essayer de la choper après. Parce qu'il faut un saut très précis. Et que j'avais du mal à choper. J'adore la traînée derrière notre petit flocon. C'est juste super beau. Alors, on est parti pour. Bon, ces étoiles-là, j'ai déconné, hein, elle est pas compliquée. Faut juste savoir où sauter, faut juste se laisser aller, mais je me suis pas laissé aller, j'ai voulu sauter n'importe comment. Et donc voilà, mais elle est pas difficile. La dernière, par contre, elle est un peu plus délicate. Hop, hop. Hop. Je vais pas m'excuser à chaque niveau de dire que c'est une étoile et pas une pièce. Hein. Je vous l'ai dit une bonne fois pour toutes. Je préfère les étoiles, voilà. Et je sais que c'en est pas une. Ah voilà ce que j'ai failli faire tout à l'heure. Ben, je l'ai fait, fallait que ça arrive un jour. Hop, 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 hop. La dernière, si je me souviens bien, faut sauter pas mal avant la fin du truc et passer, frôler vraiment la pique pour retomber bien au bord du truc, pour tomber pile sur le machin qui nous propulse en l'air pour choper l'étoile. C'est assez compliqué celui-là. Dans mes souvenirs. Alors. Bon. On va y arriver. Allez, allez, déjà on vise la deuxième. On arrête de réfléchir. Et on fait ce qu'il faut pour la dernière après. Là on va rester en haut quand même. J'ai encore failli nous tuer. Hein. J'aime ça, failli nous tuer. Hop, hop. Ah, attention, concentration. Faut pas que je loupe l'endroit, sinon ça aura servi à rien. Je trouve ça très joli en plus, notre bleu ciel sur le bleu ciel du truc. C'est pas exactement le même, c'est très beau. Je crois que c'est là. Fallait que je saute. Je déconne. Allez, concentration. Je ne parle plus. Il nous la faut. Je vous laisse apprécier la musique. En plus, j'ai mal à la gorge, je pense, de parler. Oh là là, oh là là, je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Je joue avec le feu là. Complètement. Attention. Ah mais fallait sauter. Ah oui, non, j'ai vraiment fait n'importe quoi là. Mon cerveau, j'ai voulu être concentré, mais d'accord, oui, non, non, c'est bon. Ok, ça y est, bah, j'ai compris. Donc ça nous ramène, si je saute là, ça nous ramène au parcours normal, en fait. Donc c'est bon, ok. Bon pour la deuxième, dans mon cerveau. Tu te gratouilles. Oh, regarde pour eux. Qui est mignon. Ah, c'est plus facile de maintenir un niveau à peu près droit à la manette que tap-tap. Hein. Bon, là, cette fois, on déconne pas. Ok. Et l'autre c'est où? C'était pas là. C'est là. J'ai déconné! Je me souviens comment ça se passe une fois quand on est tout là-haut là. Je crois qu'il y a un saut à faire. Non, le temps que le cerveau le voit, c'est fini, on est mort. Ton cerveau voit? Ouais. Ah
appel à un médecin, ma chérie, c'est grave. Ton cerveau a muté. Non, oui. Enfin, avec l'aide de mes yeux, mais c'est mon cerveau qui voit, quoi. Le temps que mes yeux aient envoyé à mon cerveau... Parce que mes yeux, ils voient de suite, y a pas de problème. Mais le temps qu'ils envoient l'information à mon cerveau, c'est trop tard. Donc ton cerveau analyse une information, mais il ne voit rien. Moi, j'aime bien qu'il voit. Non, c'est faux. Moi, j'aime bien. Et attends, c'est pas pour rien que j'ai raté médecine, hein. Quand même. Faut me laisser au moins ça, hein. Sinon, tu me fais des yeux au cerveau, donc voilà. Ouais. T'es un peu pas, par contre, par rapport à la musique, c'est ce qui est bizarre. Ah, t'es nul. Pardon. J'ai pas sauté au bon moment. Ça arrive. Souvent. Oui. Si t'étais pas à moitié endormi, tu aurais été sérieusement puni. Ah, je sais. Heureusement pour moi, tu dors. Tu dors bien, ouais. Fais dodo. Okay. Alors. Nous aurons cette étoile. Nous aurons cette étoile. Je vous le promets. Oui, comme le chantier à Docine, on doit faire ton étoile. Oui. Mon dieu. Oui. Attention, on est presque à la deuxième là. Hop, hop. Hop. Hop, voilà, c'est bon, on a la deuxième. Alors attention qu'on se plante pas. Ok, d'accord, ok, c'est bon. Ok. Je saute en haut, je saute en bas. Moi n'avoir compris. Bon, souvent c'est comme ça, hein. Faut tester parce que sinon on sait pas. Et souvent, quand on sait pas où elles sont, ben faut mourir pour les chercher. Qui va très certainement nous arriver très vite, je crois dans le prochain faut mourir pour trouver. Donc soit le destin nous fait mourir à cet endroit là et on se dit oh tiens c'est là qu'il y a l'étoile. Soit il nous le fait pas et dans ce cas faut tester et mourir aux endroits où potentiellement peut-être peut y avoir une étoile de cachée. Ok, attention on va pas louper l'étoile, ce serait dommage. C'est là. C'est là, on a la deuxième. Et c'est là où j'ai réussi la deuxième et la troisième et je meurs après bêtement. Oh, on serait pas content. Hein. Oh, bah là je suis morte bêtement aussi. Mais alors là j'arrive toujours pas à savoir très exactement à quel endroit faut que je saute, c'est, je le fais à chaque fois au feeling, donc soit ça passe, soit ça passe pas. Donc bon voilà. Hop. Hop, hop. Ok, donc là, attention. Hop, 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 hop. Ah non, c'était moche ça. C'était super moche ce que j'ai fait quand même. J'ai même pas compris comment j'ai fait mon coup là. J'ai dû vouloir sauter trop haut. Ce qui n'est pas bien du tout. J'adore. Attention, attention, attention. Bon, je suis pas fan des passages en avion parce que c'est pas là où je suis bonne. Donc bon. Voilà, voilà. Moi, ce que j'adore, c'est les passages où on nous met à l'envers. Ça, je trouve ça trop bien. On n'y est pas encore. Hop! C'est bon, on a la deuxième. Alors, on saute avant, on saute en haut, on saute en bas. Si on arrive à faire le premier saut qui va nous envoyer, voilà j'ai loupé comme une débile mentale.
C'est pas grave. On va essayer de, au moins de sauvegarder la deuxième étoile. Comme ça, on se concentrera sur la troisième. On se suicidera en boucle si on n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. On a validé la deuxième étoile. Du coup, ça, c'est bon. Level complete. On recommence. Hop là, voilà. Hop là, comme ça, on se concentre sur la dernière. Évidemment, il y a un mode practice, mais on va pas le prendre. Si je me rate, je me déteste. Hein. Déteste, oh putain. Je savais que j'allais me planter, j'ai voulu me concentrer vu qu'on avait réussi à choper l'étoile, je savais, je me connais trop bien. Et c'est arrivé, j'en étais sûre, oh là là, c'est pas possible. Y'a que moi pour faire des trucs comme ça. Je pourrais me rater sur une ligne droite hein, si je suis stressée d'avoir récupéré l'étoile. Oh là là, bah voilà, maintenant je fais que n'importe quoi. De toute façon, vous me connaissez, hein, vous savez qu'une fois que. Une fois que je me suis mis la pression, c'est fini. On n'arrivera plus à rien. Alors attendez. Enfin, quoi que non, vous me connaissez pas tant que ça, vous. J'ai l'habitude de. Voilà. Mais ça ne saurait tarder, donc voilà, bah voilà. Maintenant, vous savez que. Que c'est la merde du coup. C'est vrai qu'on n'a pas fait tant de let's play que ça ensemble encore. Hein. Ça me fait trop bizarre. Là, hop. Quick. Donc toi, on t'a, c'est bon. Ta copine que je veux maintenant. C'est pas celui-là, c'est le prochain, c'est celui-là. On ne respire plus. On respire. Trois étoiles, oh putain! Ouf! J'ai cru qu'on l'aurait pas celle-ci. Oh là là. Bon, on va voir si on a débloqué des couleurs. X. On a débloqué ce bleu foncé qu'on va prendre, du coup, en attendant d'avoir le mob. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour le prochain niveau. Portez-vous bien, à bientôt!